ça tourne en boucle comme BFM. T'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER. Ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. Ça la vérité absolue. De l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu. Check les sources sous le nombre de vues. Ça la vérité absolue. De l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu. Check les sources sous le nombre de vues. Calme-toi Dimitri. La force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit. T'es comme les mensonges, comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque, mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique. Pour rien rater, il faut que tu cliques. Mec, c'est Rémi. Le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris. Que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un polac. Donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque. Mais en politique, je sais qui est le crack. Ouais, je sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que c'est qui est le crack. Prenez juste les deux. Sali des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort. On sera bouffé par l'inflation. Dans le doute, je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Frelich Schmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue, c'est juste mensuel, les vidéos, c'est juste tous les jours. C'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. J'sais même pas ce que j'débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma république, non? C'est dur la république quand même, non? Ouais. Non. Ah non, c'est mou, non? Ouais, on les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà? Ça tourne en boucle comme BFM. T'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER. Ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. Ça la vérité absolue. De l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu. Check les sources sous le nombre de vues. Ça la vérité absolue. De l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu. Check les sources sous le nombre de vues. Calme-toi Dimitri. La force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit. T'es comme les mensonges, comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque, mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique. Pour rien rater, il faut que tu cliques.
mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire, aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique, c'est qui est le crack. Ouais, je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort. On sera bouffé par l'inflation. Tant doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Frelich Schmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue, c'est juste mensuel. Les vidéos, c'est juste tous les jours. C'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. J'sais même pas ce que j'débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non. C'est dur la République quand même, non. Ouais. Non. Ah non, c'est mou, non. Ouais, on les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà ? Bien le bonjour, messieurs, dames, bonjour à tous. 16h33, 3 minutes de retard, parce que c'est comme ça. On fait, c'est le hasard, les hasards du direct. Bonjour à tous, les amis. Est-ce que ça va pour finir cette semaine en beauté? Voilà, c'est vendredi, c'est couscous chez Enrico Macias. On se régale. Ce soir, ça boit un peu des coups. Ce week-end, ça fait du vélo. Que demande le peuple? Voilà, je le dis. Merci à Dr. Nuts 59 qui vient de Subprime. Le 12e mois, ça fait un an, pile poil. Magnifique, joyeux anniversaire. Voilà, voilà les copains. On se retrouve avec joie, avec plaisir. C'est un juste bistrot de vendredi. Donc, je vous le dis, ça ne va pas être le marathon. On a tout donné cette semaine. Là, j'ai un horizon, la bière qui m'attend. On parle du... Voilà, c'est l'affaire de 2 heures maintenant. C'est l'affaire de 2 heures, donc le plaisir. Mais le plaisir, voilà, surtout le plaisir d'être avec vous pour finir en beauté cette semaine avec la vidéo ce soir. Vous le savez, si vous avez été là hein, sur Twitch, vous l'aviez vu, cet extrait sur cette histoire de Fiona Scott Morton à la Commission européenne. Alors, oui, on pourrait se dire, mais c'est bon, elle a été dégagée, c'est bon, fait circuler, il n'y a rien à voir. Si, il y a à voir, voilà, il y a à voir. Donc, l'extrait sera sur YouTube ce soir à 18h pour ceux qui veulent revoir hein, cette actualité-là, ou peut-être même la découvrir pour certains, ça c'est possible. Aujourd'hui, on est vendredi, ça va être la détente. On va revenir sur le remaniement. Alors bon, un remaniement... comme a dit Naïm, c'est comme quand McDonald's change la place du steak, de la salade et du fromage dans le burger. Ça reste dégueulasse. Voilà. Hein, je paraphrase les plus grands, bien sûr. Donc voilà. Mais il y a quand même déjà des petites pépites. On a déjà Gabriel Attal qui se fait remarquer. C'est-à-dire qu'en 24 heures, il est devenu expert des questions de l'éducation. Ouais. Alors, parce que déjà, il a le même âge. Ça, c'est, voilà. C'est la première fois qu'on a un ministre de l'éducation qui fera sa rentrée en 5e, en septembre. C'est quand même, ça c'est fort, ça c'est fort. Donc voilà, ça va être du plaisir, on va en parler, on va se fendre la gueule.
Ah, c'est pas con. Ouais, le jeu, c'est vrai que ça fait longtemps. Il n'y a plus de saison qui dit fais-nous un jeu qu'on se détende. Alors, déjà, attention sur la formulation. Je suis un petit peu taquin sur ça. Non, mais je déconne. Là, je suis détendu aujourd'hui. Il y a apéro, c'est vendredi, ça va. Mais le jeu, j'avais réussi à le gérer tout seul une fois, non? De quoi? Le faire le jeu, le quiz, j'avais réussi tout seul à le gérer une fois. Ouais, tu peux. Il C'était suffit de comment lancer de... en navigation privée sur un truc et de jouer avec l'autre. C'est quoi le nom? Je m'en rappelle plus. Master of the Grid. Master of the Grid. Alors attends, et sur lui, il faut que je me. Faut que je joue et l'autre, je me connecte. Ouais, tu te connectes avec ton compte Twitter pour créer la session. Ouais. Et tu peux jouer en anonyme sur un autre écran. Enfin, sur un Bah, autre. c'est nickel ça. Attends. Ah, mais attends, on n'avait pas dit que ça n'existait plus. Si, mais c'était revenu, je crois. Attendez, on cherche techniquement. On va essayer. Ah, non, je crois que c'est. La dernière fois, on s'était dit que c'était mort. Bah, on s'est dit que c'était mort, mais c'était pas revenu, du coup. Aïe, 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 aïe. On est dans les champignons. Donc, du coup, pas de jeu. Pas de jeu. Sauf si dans le chat, vous avez une idée peut-être d'un autre jeu de quiz qu'on pourrait faire tous ensemble. Mais celui qu'on connaît, hein, qu'on a déjà fait, apparemment, c'est mort. Apparemment, c'est mort. Donc voilà. C'est la joie n'aura duré que peu longtemps. Il faut se le dire. Mais c'est pas grave. Parce qu'on va avoir d'autres choses. Ah, il y a le blind test aussi. C'était quoi? Oui, ça, c'était quoi ça? Le blind test, putain, je me rappelle plus, moi. Ah ouais, mais c'est connu. C'est Trivia quand quiz, même. non? Non. Non. Blinest. Mais c'est musique quiz. On peut créer des salons. On va essayer Blind Test, effectivement, c'est pas con. On est en vacances, c'est vendredi. Blinest, nous dit Miss Deans, apparemment. Ouais, le tout premier oeil, c'est ça. Blinest. Tu choisis un thème, tu rentres et tout le monde va dans le même. Après, si tu veux créer des rooms. Ah, c'est vrai que c'est pas con, tiens, pour commencer la journée, parce que en plus j'avais pas grand-chose à vous dire honnêtement, parce que bon, on a déjà les cagoles du remaniement qui étaient dans le secteur, mais on va en parler dans la farce tranquille, on va en parler la semaine pro. Peut-être qu'aujourd'hui on peut se faire plaisir. Tiens, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Alors attends, j'ai créé un compte. Ouais, j'avais un compte déjà. Rémi, juste mieux, ça c'est moi, ça. Blinest. Alors attends, bouge pas. Si on fait chanson française au hasard. Mais du coup. Ah ouais, on peut pas créer notre truc. Je suis pas sûr. Il faut payer, j'imagine. Ça va être. Room. Ah si, le juste blind test, on avait fait ça. Bah attends, je vais recommencer. Attendez, on est sur le coup, hein. On est sur le coup. Regardez, paf. On le fait ensemble. Hein. Enfin non, j'ai peut-être des données sensibles. Non, normalement, on s'en fout, non? On va le faire ensemble, on va faire du karaoké. Ah, vous m'avez chauffé. Vous m'avez chauffé devant la motivation populaire. On va créer le truc. Alors attends, je recommence à zéro. Créer la room spéciale. Alors ce sera le juste blind test. Voilà, je vais vous envoyer le lien. Bougez pas. Genre musical, les spéciales en fait. Créer la room. Extrait par partie. 20 extraits. Durée de l'extrait. 30 secondes. Pause entre les extraits, 3 secondes. Juste blind test. C'est marrant. Je mets ça en description parce que je trouve que c'est sympa. Mettre à jour. Voilà. Associer une playlist. Années 80, on va mettre. On va mettre également chansons françaises et parce qu'il en faut pour tout le monde. Années 70. Voilà. Donc là, normalement, j'ai un truc. Et là, on peut jouer. Donc là, préparez-vous. Là, ça va chier des bulles. Merde, mais j'ai pas le son, moi. Merde, attends, ça a commencé. Merde, ça a commencé vite. Venez. Venez jouer. Je peux pas mettre pause? En plus, ils ont en double les jambes, ce qui doit avoir le son. Non, j'ai coupé. J'ai coupé audio internet. Ah, mais oui. Pas folle la guêpe. Alors venez, parce que là, ça y est, c'est parti, ça s'enchaîne. Hein. Donc, quand la musique est bonne, Jean-Jacques Goldman. Faut pas que je le dise, en fait. Non, ouais, Ah bah oui, je suis ça, con. Voilà, je suis premier.
C'est peut-être à cause du fait que je sois tout seul, mais... Voilà, venez, venez sur la partie, les amis, on va s'éclater, c'est de la musique et des hits, bien sûr. Vous le savez, sur Juste Bistro FM. Voilà, c'est le plaisir, au rendez-vous. Ah, c'est quoi ? Ah oui, je sais. Bah si. Ah non. J'ai trouvé. Ah ça y est, il y a du monde qui arrive. On en fera une deuxième, vous inquiétez pas. Comme ça, on commencera tous ensemble. Je crois qu'il faut créer un compte. Donc là, c'est l'échauffement. Là, c'est l'échauffement. Ou attends, attends, non, je peux faire auto-start. Attendez, on va recommencer. On va recommencer. Inscrivez-vous gentiment. J'ai fait auto-start. Comme ça, c'est moi qui pilote. Attendez. Chatbox, ouais. Normalement, ça va être bon. Mettre à jour. On va recommencer. Jouer. Mais c'est moi qui... Voilà. Voilà, c'est bon. Arrêtez la partie. Voilà. Merde. Ça n'a pas l'air d'être ça. J'ai dit arrêtez. Oh, c'est pas vrai, ça. Voilà, c'est bon. Normalement, c'est bon. Normalement, ça y est, là, j'ai la main. Inscrivez-vous, faites vos comptes. On y va, on fait une partie. Après, on fait un peu d'actualité. Oh. Faut pas déconner. C'est vendredi, c'est détente, on en a tous plein le cul. De toute façon, sur ce remaniement, il n'y a pas grand-chose à dire. On aura le temps. Aujourd'hui, c'est détendu. Voilà, beaucoup de gens l'ont demandé, on se fait plaisir. Alors, il y a Ingrid Van Horsman qui dit perso, ça ne m'intéresse pas, je vous laisse. Du coup, c'est balade en famille, bon week-end. Ça, c'est bien aussi, effectivement. Chacun vogue à ses occupations. Hein. Il en faut pour tous les goûts. Déjà, je vous ai épargné le vélo. Donc, c'est vrai que le vélo. Voilà, Tour de France en ce moment, c'est pas ça. C'est pas ça qu'est ça, là. Vous savez, j'en ai marre, j'ai essayé. Ils m'ont vexé, je veux plus en entendre parler de ces histoires de vélo pour l'instant. Je vais peut-être même pas regarder l'arrivée dimanche, en signe de protestation. Et là, je peux vous dire que chez France 2, ils sont pas bien. Ils sont pas bien. On va attaquer la partie, les amis, je vous ai mis le lien. On va y aller. Le petit blind test tout à fait sympatoche. On va se régaler, on va être détente. Détendu du slibard. C'est de la musique, c'est aussi voilà, Juste Bistro FM, des hits, des nibards et de la concoyote évidemment. C'est parti pour cette partie. Voilà. 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 On sait pas qui c'est. C'est Lio ça. Ah ouais, alors si je connais pas, on va bien rigoler. Hein. Jamais entendu parler de ça. Jamais entendu parler de cette histoire. Mais attends, il m'a mis tous les thèmes, le truc, là. Sophie Favier, aujourd'hui plus qu'hier. Ah, ça, je sais. Ça, je sais, ça. Ça j'adore. Ça, l'Eurovision, grand succès. On connaît bien sûr. Excellente boisson également, hein, le casse citron pour ceux qui connaissent. On va mettre 20 secondes pour les extraits parce que sinon, moi ça va me faire arriver en retard à la bière, donc faut faire attention quand même. Aucune idée. Pour taper la réponse, hein, il faut... de quoi le son pour le live? Comment ça? Normalement, j'ai coupé. Hein. Ah, vous entendez via le micro, c'est possible. Moti spécial. Cold Days, Hot Nights. Je connais pas. Oh. Necfeu. C'est quoi? 47 Terres. Voilà, merci à toi. Et le titre? L'adresse. C'est vrai? C'est peut-être qu'ils ont appelé même le titre. Non, je crois que c'est l'adresse.
Bien joué. Félicitations. On s'y met à deux. Ah oui, le son pour le live, d'accord, c'est ça. Est-ce que vous entendez là, du coup ? Dites Purple Black Knight, putain, je connais pas ça. Ah putain, oui. C'est pas George Mike Wham. Last Night. Ah. About Last Night. Ouais, c'est un truc pas loin, à mon avis. Ça, à mon avis, c'est pas loin. Ou Last Christmas. Voilà. Rien à voir. Ça, c'est Gabriel Attal. Le professeur. Il me semble que c'est ça. Je crois que c'est ça. Aucune idée. Aucune idée. Eurythmics, Here Comes the Rain Again, bien sûr. Ça, c'est Jean-Louis Aubert. Ça. Bien sûr. Oh, la chatte. Bien joué hein, dans le chat, Jarod du Sud qu'il avait. Ça, c'est bien joué. Non. C'est pas Mylène Farmer. C'est Marlène Schiappa, L'imposture. Non, c'est pas ça. Yellow Vicious Games. Incroyable tout ça. En même temps, ça sert à quoi de faire ce genre de jeu alors que je suis nul ? C'est ça le problème aussi. Ça n'a que peu d'intérêt. C'est fou, hein ? Ah, je suis bidon. Oh. Electric Light Orchestra. Hold on tight. Ah, c'est Zaz. Ah, ça, j'adore. Ça, j'adore. Ah, le long de la route, Zaz. Voilà, regarde. Hop, pas du tout. Mais Zaz, j'ai reconnu. Une petite pièce comme ça. Bien sûr que c'était Zaz. Bien sûr. Oh, il y a Papa Hung qui revient très fort. Il a 11,5 points. Ça revient très fort. Vous êtes 20 hein, dans la partie. C'est le plaisir. Ah, le long de la route. Ouais, j'avais dit. C'est la danse des canards, ça. Et ça, je connais. Voilà. C'est pas les musclés, c'est qui ? Bernard Minet, putain. Bien joué, bien joué. Pas du tout. DJ Lionel. GJ Lionel. Oh, il y a des trucs, c'est l'enfer. Hein. C'est l'enfer sur Terre. On est à combien ? Ça s'arrête jamais en plus ce jeu en fait. C'est terrible. Alain Bachoum, putain. Je connais. Ah ben c'est fini. Ouais. On s'est pas fendu la gueule. Ouais non, tu sens que non, on s'est pas éclaté. On refera une autre fois. Aujourd'hui, non. Ah oui, on refera une autre fois, mais au moins le site fonctionne. Voilà, on fera ça de temps en temps les vendredis, ça fait plaisir. Et c'est vrai que peut-être, je vous avoue, je suis fatigué aujourd'hui. Ah, j'ai plus de gaz, c'est fini. Ouais, c'était pas fou, ouais. Non, mais je suis d'accord avec vous. Hein. Autant le Tour de France, je défends ma baraque, mais là... j'ai essayé, voilà. Tofitoun qui dit c'était courageux. Effectivement, ça n'a eu aucun intérêt, en vérité. Non, mais il faut. Hein. Il faut de temps en temps. Il faut essayer. Hein. Il faut essayer. Bon, d'autant qu'on est dans une actualité où... je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe à Berlin. Je crois que c'est ça qui me fatigue aussi. Beaucoup de médias sont mobilisés. Bon, je vais vous mettre l'extrait de ce qui a été diffusé sur BFM TV parce que... Moi, j'ai plus de vannes. Hein. On est en fin de semaine, puis là, ça devient trop gros quand même. À Lyon, que tout le monde recherchait depuis 24 heures, était en fait un quoi ?
Ce n'était qu'un sanglier, d'après la conclusion du maire de la petite ville cossue, au sud de Berlin, Kleinmarnow. Mais pendant 30 heures, eh bien, la petite ville ainsi que la région ont été un petit peu terrorisées. Les gens étaient priés de rester chez eux. Il y a eu un déploiement important de forces de l'ordre. Il y avait des vétérinaires qui étaient équipés de fusils pour, le cas échéant, si on découvrait cette lionne, l'endormir. Finalement, à l'arrivée, on nous annonce qu'il ne s'agissait donc que d'un sanglier, un animal assez courant dans cette région assez boisée, malgré des vidéos sur lesquelles, au départ, on avait donc reconnu un animal sauvage, une lionne, on avait interrogé. Voilà. À côté de Berlin, la lionne était en fait un sanglier. C'est pas que je vous aime pas, mais là, c'est une semaine qui est chargée. Les vacances approchent, on est passé par toutes les émotions et on finit comme ça, avec un duplex, parce que tu vois, t'as quand même Pascal Thibault. C'est le correspondant BFM TV à Berlin. Et Pascal, du coup, le sanglier, c'est un sanglier ou... Non, parce que si c'est comme Brigitte Macron... non, mais du coup, c'est assez une lionne. Non, c'est un sanglier. Ah d'accord, non, parce que nous, ça fait 24 heures qu'on disait que c'était une lionne. Ah d'accord, ouais. Et donc ça, c'est votre métier, en fait. C'est l'actualité. Sans, voilà. Non, c'est pour ça. Je vous adore, les copains, vous le savez. Hein. J'ai fait tous les... Là, ça fait 2 semaines, on fait grand chelem, on est là tous les soirs. Mais parfois, je me dis, je serais quand même beaucoup mieux au bar. Parce que... Enfin, en même temps, symboliquement, cette affaire, je vous dis ça en déconnant, mais en fait, je déconne pas tant que ça. Elle est intéressante parce qu'elle a l'image de ce qu'on dit tous les jours. C'est que on peut faire croire n'importe quoi à n'importe qui tant que ça passe sur les chaînes d'infos. Parce qu'autant, c'est vraiment une lionne. Et ils ont juste dit, bon, laisse tomber sanglier pour que les gens n'aient pas peur. Il ne faut pas savoir peur, comme dirait l'autre, tu vois. Donc autant, finalement, c'est symbolique, cette affaire, tu vois. C'est très symbolique. C'est extrêmement symbolique, tu vois. Le vaccin sauve des vies. Non. Mais oui, tu vois. Mais oui, voilà. C'est quand même mais oui, parce qu'on te le dit tous les jours. Donc au bout d'un moment, toi, tu dis mais oui. Et c'est comme ça. C'est à l'image de notre époque. Tu vois, par exemple, Gabriel Attal, ministre de l'Éducation, il est crédible. Voilà. Monsieur le ministre, juste un mot sur le harcèlement, l'enjeu de la rentrée. Est-ce qu'un référent par établissement, ça va suffire? Non, il y en a déjà. Mais je l'ai dit, la lutte contre le harcèlement scolaire, c'est une exigence morale absolue. On ne peut pas accepter qu'il y ait des enfants qui aillent à l'école la boule au ventre et qu'on se retrouve avec des situations absolument dramatiques comme celles qu'on a pu vivre, tragiques, avec des enfants qui se donnent la mort, notamment parce qu'ils sont harcelés à l'école. Donc là-dessus, il y aura une mobilisation absolue. La Première ministre l'a dit. On a fait une cause, y compris sur laquelle elle est personnellement impliquée. Et on aura, au moment de la rentrée, à annoncer des... mobilisation supplémentaire. Alors bon, il a pris l'air grave. Hein. Vous avez vu, c'est sérieux. Hein. C'est sérieux. Mais en fait, finalement, on va... il faut faire attention à ces actus-là. Tu vois, c'est vendredi bac à sable avec des actualités dont on n'a rien à branler. L'autre, il a été nommé il y a 24 heures et il se prend déjà pour Jean Jaurès. Tu vois. Calme-toi, Gabriel. Calme-toi. T'as encore du lait au coin des lèvres. On se calme, tu vois. Personne ne te croira quand tu vas essayer de te faire passer pour un spécialiste de la question, alors qu'il y a 24 heures, tu travaillais sur le budget. Là, tu passes à l'éducation. Donc, je veux dire, voilà, les gens ne sont pas dupes. Autant, bon, un sanglier, une lionne, si t'es pas allé chez l'ophtalmo du trimestre, ça peut se jouer. Mais personne ne va penser que tu es compétent. Je veux dire, toi, t'es caissier au Lidl. Tu deviens caissier au Carrefour, tu as des jours entiers de formation, parce que c'est comme ça. Tu ne changes pas d'un métier à un autre du jour au lendemain. Et ministre, on l'espère encore moins, tu vois. Mais ce qui est intéressant et ce qui est vraiment à l'image de l'époque, hein, de ces apparats permanents, de cette parade permanente, de ce théâtre, regardez bien la séquence du début à la fin, et notamment la dondon en écharpe blanc-rouge qu'il y a sur la gauche de votre écran. Donc là, bon, il y a un arrêt sur image... C'est comme la VAR au football. Il y a hors-jeu. Et même au milieu, hein, le petit prince, là, ça se fend la gueule. Et regardez petit à petit, pour vous dire, en fait, c'est très symbolique. Aujourd'hui, on est dans le symbole.
Je le dis, c'est comme ça. C'est très symbolique. Regardez l'évolution de la tête de cette dame. Alors là, on dirait effectivement, on vient de lui faire un chabit. Et ça la fait rire, parce que c'est drôle, un chabit. Et regardez, petit à petit, elle va prendre l'air pénétré, comme ça. De dire, oh. À la fois, c'est brillant, ce qu'il dit, à la fois, c'est grave, alors que c'est d'une banalité sans nom. Même Télé-Loisirs, c'est la Pléiade à côté. Regardez l'évolution du visage de la dame. Et à un moment donné, il va se retourner, peut-être, parce qu'il pense qu'elle rit encore du chabit, en fait. Et vous allez voir, ça fait... c'est génial, regardez bien. Monsieur le ministre, juste un mot sur le harcèlement, l'enjeu de la rentrée. Est-ce qu'un référent par établissement, ça va suffire? Non, il y en a... Mais je l'ai dit, la lutte contre le harcèlement scolaire, c'est une exigence morale absolue. On ne peut pas accepter qu'il y ait des enfants qui aillent à l'école la boule au ventre. Vous avez vu, hein. Vous avez vu, regarde. Chabit. Pas chabit. À l'école, la boule au ventre. Non, mais c'est. On se retrouve avec des situations absolument. Voilà. Honnêtement, dans le cinéma français, on a beaucoup d'acteurs qui aimeraient jouer comme ça. Hein. Il faut inverser les rôles. Il faut inverser les rôles. Honnêtement, Founou Depardieu au commerce extérieur et Gabriel Attal dans le nouveau film à la con de Mayouen, ce sera plus cohérent. Hein. Ce sera beaucoup plus cohérent. Donc, voilà. On va avoir droit à tout ça. C'est pour ça aujourd'hui. J'ai envie de vous parler de plein de trucs, de tout ça, mais on va en parler la semaine prochaine. On ne va pas arrêter. Ça va être cocasse. Hein. Franchement, ça va être cocasse. Hein. Donc non, aujourd'hui c'est détente. Tu vois, j'ai envie de mettre des vidéos de Patrick Sébastien qui fait Gainsbourg avec sa bite. Tu vois, par exemple. Ça c'est drôle. Ça c'est marrant. C'est sérieux. Non, mais chez Chicandier, il l'a fait. Ah ouais. Regarde, je remets pour ceux qui ont raté le dossier. Hein. Non. Que je fais des fois pour des copains, mais que j'ai jamais fait à la télé, mais il faut pas qu'on me voit. Hein. Ferme tes yeux. Tu les ouvriras que quand je te le dirai. Hein. Je vais t'imiter Gainsbourg avec ma bite. Mais il faut que je fasse. Regarde pas, il y a une petite prépa. Attends, parce que là, il y a des filles. Elle est loin, la piste aux étoiles. Hein. Ah putain, t'as raison. Non mais attends, je te demanderai juste d'ouvrir les yeux et qu'on voit ta réaction quand tu vas voir cette imitation et cette ressemblance surtout. Parce que franchement... C'est lunaire. T'es prêt? Tu peux ouvrir les yeux. Franchement, c'est lui. Oh putain, mais je crois que ça va me faire rire pendant des années, ça. C'est débile. C'est terrible, mais ça me fait crever de rire. La situation est géniale. T'imagines être en soirée avec quelqu'un, tiens, je vais te faire Gainsbourg avec ma bite. Non, je vais apprendre à faire ça. Ça me fait mourir de rire. Je crois que c'est la fin de semaine où on lâche les chevaux. Je vous le dis. Hein. Puis en même temps, c'est à l'image de l'actualité, quoi. Gabriel Attal qui se fait passer pour un ministre de l'Éducation. Je vais te faire Gainsbourg avec ma bite. En vérité, les deux sont aussi crédibles. On a compris que c'était pas réellement la personne. Mais bon. Puis il y a des lions et des sangliers à Berlin. Donc pendant ce temps... Surtout qu'apparemment, le sanglier ressemble à ça. Il y a des vidéos quand même. Ça, c'est un sanglier, apparemment. L'animal a ici été aperçu dans un fourré devant les phares. J'en ai pas vu des tonnes dans ma vie. Mais... Oui, j'en ai vu un. Hein. C'est vrai? Ouais, il était dans mon jardin, ce con. Oh, tu l'as mangé? Non, il était blessé, en fait, il voulait bouffer, il est venu, on mangeait et tout, en pleine journée. Et... Vous l'avez fini ou pas? Non, j'ai envoyé mon chat à l'attaque, il n'y a plus de chat. Oui, il n'y a plus de chat depuis. Bon, bah, bon week-end. À lundi. Bon Belga. Oui. Et puis, à lundi. Bon Paléo. Comment on dit? Bisous à tout le monde. Ciao, ciao. T'as? Ah, oh, bah, super. Allez, salut. Ah ben ça marchait beaucoup moins bien. Bon, ciao. Donc voilà, non mais les amis, c'est vrai que aujourd'hui je suis dans le symbolisme. Je me sens poète, je me sens artiste. Je me dis que effectivement, si on peut faire croire aux gens que Gabriel Attal est ministre, on peut faire croire Gainsbourg avec une bite. Je pense que ça résume la semaine qu'on a passée ensemble sur Twitch, les amis. Je crois que c'est... Finalement, on est là-dessus. Finalement, on est là-dessus parce que... bon, aujourd'hui, voilà. Hein, pareil, dans la catégorie des séquences...
où tu dis bon, effectivement, ils nous font passer des vessies pour des lanternes ou des bites pour des Gainsbourg, comme il faut dire aujourd'hui, mais avec une décontraction qui force le respect. Et le dernier en date, c'est Olivier Véran. Olivier Véran, donc vous savez, on va en reparler, c'est pour ça que je vous... On en parle un petit peu, mais le nouveau ministre de la Santé s'appelle Aurélien Rousseau, ancien directeur de l'ARS Île-de-France, donc au début du Covid et au moment de Notre-Dame. Il est en couple avec une certaine Marguerite Cazeneuve, qui est directrice adjointe de la Caisse nationale d'assurance maladie. Normalement, il n'en faut pas plus, tu vois. Dans n'importe quelle entreprise, quand le PDG se tape la meuf de la compta... Ça fait jaser. Olivier Véran, il a dit non. Regarde. Bonjour, monsieur le ministre. Jacques Serret, Europe 1. Certains s'étonnent de la nomination d'Aurélien Rousseau alors que son épouse est numéro 2 de l'assurance maladie. Que répondez-vous aux soupçons de conflit d'intérêts? Pardon. Non seulement il n'y a pas de conflit ni de lien, puisqu'on parle là de public. L'épouse du ministre de la Santé travaille dans le secteur public en matière de politique de santé. Donc il y a des règles qui sont établies, il y a une haute autorité pour la transparence de la vie publique qui est saisie de cette question, qui a déjà mis en place des recommandations dans ce type de situation, de manière à ce que tout ce qui pourrait concerner directement l'activité de son épouse fasse l'objet d'un déport du ministre. Voilà, hein, voilà, y a des autorités de transparence. Hein, c'est comme la Commission européenne. Ils avaient dit, bon, elle a un mandat de 3 ans, elle va se décharger pendant 2 ans de toutes les missions liées avec les GAFAM aux États-Unis. Bon, il ne lui restait pas grand-chose à gérer. Mais là, ministre de la Santé, bon, sa meuf, elle est à la CNAM. Bon, ça va, c'est pas comme si, bon... bon, ça va. C'est... Arrêtez de chercher la petite bête. C'est chiant, maintenant. C'était comme Agnès Buzyn, à l'époque, avec Yves Lévy, qui était le patron de l'INSERM. Quel rapport? Quel putain de rapport? Arrêtez maintenant de... Non, mais les gens sont chiants, parce que les gens voient toujours le mal. Hein? Ça suffit. Ça suffit. Donc, c'est vrai, il y a plus de saison qu'il le dit, pour une fois que je suis d'accord avec lui. Ça tourne en rond, surtout. Ben, c'est vrai. Mais tu vois, même dans l'enculerie, il y a une forme de lassitude. Au risque d'être un petit peu vulgaire, quand tu te fais limer pendant 3h30, que tu commences à penser à ce que tu vas manger demain matin, c'est que c'est pas, c'est qu'il faut arrêter. C'est que voilà, t'as fait la durée, c'est bon, ça suffit. Et même là, je vous avoue, ça commence gentiment à me saouler, en fait. On a, tu vois, des affaires qui se répètent, qui n'excitent plus personne, je veux dire... Ce qui se passe en Macronie, les mecs ne se gênent plus, les mecs ne font plus semblant, ça devient grossier, c'est une république bananière avec une endogamie des élites qui est connue, qui est claire, hein, je veux dire, voilà, des gens qui se reproduisent entre eux, qui se recrutent entre eux. Le remaniement d'hier, on dirait sincèrement, je sais pas, on dirait une réunion d'anciens copains d'une école de commerce, quoi. Voilà, sauf que ces gens-là sont au plus haut niveau. On a compris que leur projet était d'envisager la destruction de la France, ou en tout cas de créer un pays qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on a connu avant. C'est-à-dire, aujourd'hui, regardez ce qu'on reprochait à Sarkozy, regardez ce qu'on reprochait à Hollande, regardez ce qu'on reprochait à Chirac. C'est sans commune mesure. Et pourtant, ce n'était pas des tendres. Et c'était loin d'être des exemples. Mais c'est sans commune mesure. Donc, malheureusement, en fait, ça devient risible. Ça devient risible tellement c'est évident. Le spectacle se met en place avec des médias qui font mine d'y croire. Mais même eux, ça devient timide. Quand Emmanuel Macron descend les Champs-Élysées, même les commentateurs ont du mal à masquer les sifflets. Je veux dire, il y a même une lassitude chez ceux qui, jusqu'à présent, faisaient tout pour maintenir l'édifice sur pied. Donc voilà, c'est bon, quoi. Il y a besoin d'un réel tremblement de terre pour faire tomber ces gens-là. Maintenant, voilà, ceux qui vont vous dire « Non, mais c'est pas si mal, c'est bon, bah pourquoi pas ?» et tout ça. Aurore Berger, je veux dire, mais qui est une Manuel Valls avec un utérus. Ce gouvernement aura réussi à démontrer en plus que, et je vous le dis de temps en temps, la femme politique est un connard comme les autres. Et Aurore Berger en est le parfait exemple. C'est sidérant. Prisca Thévenot,
Oh là 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 là, mon Dieu, c'est à la limite, ils arrivent à démontrer que la politique pervertit les âmes, pas toutes certaines, de manière indépendante du sexe des politiciens. Et au moins, ce serait un enseignement. C'est que nous avons un ramassis d'ordures, et cela indépendamment du sexe des uns et des autres. Donc c'est terriblissime. Maintenant, c'est clair. Donc il y a ceux qui ne veulent pas voir, et il y a ceux qui ont vu. Mais c'est bon, faut arrêter d'entretenir comme ça des fadaises, j'ai envie de dire. Des fadaises. T'as vu, j'ai dit fadaises comme ça. Donc non, je crois que ça me rend grognon. Ça me rend grognon. Et quand je suis grognon, souvent, ce que j'aime faire, c'est mettre un best-of de Christophe Fourios, l'entraîneur de rugby, parce que ça me détend. Voilà. Et après ça, je serai détendu et on parlera d'Hunter Biden. Donc là j'ai un peu les boules, je pense que demain j'aurai encore plus les boules, et après demain j'aurai encore plus les boules. Donc quand je suis comme ça, j'en reviens un peu aux fondamentaux, comme tu dis. Qui a dit le rugby on va le jouer en faisant des passes, on va le jouer en faisant de la contre-attaque, en faisant jouer de... Qui a dit ça? Personne. Tu joues le rugby comme tu le veux, selon ton profil d'équipe, selon ton territoire, selon ton histoire. C'est pas notre histoire à Bordeaux. Je veux pas jouer comme ça. Mais quand on nous amène dans ce combat-là, il faut être capable de le faire. Sinon tu perds les matchs. Donc, comme on est un peu frustré de cette situation qui nous fait chier quand même, on a du caractère, on se trouve JB, enfin JB à la chaîne. Ouais. Il est jeune. Les jeunes, ils servent à ça. Hein. Sinon, ça sert à quoi d'être jeune? Si c'est pas pour prendre quelques mornifles de temps en temps. Ça sert à rien. Et il est à la chaîne, il est tombé sur JB. Il aurait pu tomber sur Yandré Marie. Là, c'est moins marrant, par contre. Hein. Là, je vais pas mettre de GPS, rien, je m'en fous de tout ça. Je vais faire un peu à l'ancienne, tu vois, un peu comme je le ressens. Parce que parfois, on a tendance un peu à enculer les mouches, hein. Truc, attention ici, attention là, on mesure l'homme, pour faire la merde qu'on a fait ce matin, sans déconner. Hein. Tranquille, reste à jouer, c'est sûr, ta gueule, je te dis. Voilà. Et si tu perds les matchs, je vais pas te faire un dessin, hein. Si tu perds les matchs, ben tu fais comme tous les ans, ce qu'a fait Bordeaux. Tu finis 7e, 8e, 9e, 10e, tous les ans. Donc il faut qu'on comprenne ça. Ça me fait du bien de le dire. Bon, l'année dernière, on s'est fait chier. Moi, je me suis fait chier. Vraiment, l'année dernière, c'était long, les matchs. C'était arrivé à ce stade sans personne. Tu sais ce qui me tarde demain? Je vais te dire ce qui me tarde. Tu sais ce qui me tarde, hein? De sentir l'odeur des merguez. Non, pas que j'aime les merguez, hein. Mais parce qu'il y aura du monde autour du stade. Voilà. Là, je suis détendu. Voilà. Là, ça me plaît. Ça, c'est le monde que je veux, tu vois, finalement. C'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. Un langage fleuri. Des gabarits où t'as pas envie de chercher des noises, et des valeurs. Et comme ça, la gestion des hommes, avec un H majuscule. Tu vois, ça me donne envie. Ça me plaît, tu vois. Parce que Gabriel Attal qui t'explique la vie, vas-y, c'est bon, tu vois. On n'a pas envie de revenir au Moyen-Âge, mais viens, on fait un bras de fer quand même. Et puis je sais que je suis pas le plus gaulé, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais au bout d'un moment, on en a plein le cul. Et on a envie de ça, tu vois. Simple, efficace. Il y a pas de McKinsey, il y a pas de... Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Enculé, tu vois. Pouf, hop, tac. Et paf, tu vois. Au bout d'un moment, ça va. Il y en a marre. Quand il y en a marre, il y a mal à barre. Mais voilà. Donc là, ça m'a détendu. Mais on va se repas détendre avec l'affaire Hunter Biden. Alors, très rapidement, mais bon, c'est encore un traitement médiatique symbolique. Alors, vous avez suivi, parce que vous suivez ces affaires-là. Aux États-Unis, hein, les fameux dossiers, les fameux documents retrouvés dans l'ordinateur portable d'Hunter Biden, qui sont un véritable scandale. Aux États-Unis, de plus en plus de médias en parlent. Il y a aujourd'hui une commission officielle à ce sujet-là. En France, non. Parce qu'en France, non, la météo des plages est prioritaire. Ouais, parce que c'est comme ça. Alors bon, c'est vrai qu'on parle du fils du président des États-Unis.
Bon, ça, on parle pas non plus de sa fille ou de sa femme. Enfin, c'est pas donc voilà, ça peut rester tout à fait secondaire. Donc en France, on estime que on va plutôt parler du FIAC de Aya Nakamura. Ça va être plus pertinent en termes de sujet. Et donc là, aux États-Unis, ça prend une ampleur qui devient difficile à masquer parce que voilà, on en parle au plus haut niveau de l'État, si tu veux. Hein. T'as le Congrès qui en parle, tu vois. Le Congrès, bon, tu vois. Et il y a BFM TV qui a fait un article parce qu'il y a eu, voilà, une élue trumpiste brandit des photos pornographiques d'Hunter Biden devant le Congrès. Alors, attention, voilà, quand ils disent d'Hunter Biden, faut faire attention. Voilà, c'est pas si sûr. La républicaine Marjorie Taylor Greene a fait scandale. C'est elle qui a fait scandale. Devant une commission parlementaire en brandissant des photos obscènes de ce qui semble être Hunter Biden, fils de Joe Biden. C'est même pas sûr que ce soit lui. D'après des sources proches du dossier, il s'agirait plutôt de Michel Boujna. Voilà. Mais bon, ça reste voilà, sous l'enquête. Hein. Un scandale de plus pour Marjorie Taylor Greene. Parce que c'est elle, en fait. L'autre, il prend de la coque, des putes, des gosses, mais c'est la faute d'elle parce qu'elle a montré les pancartes. Voilà. La républicaine trumpiste convaincue et adepte des théories conspirationnistes. Donc en plus, t'es foutu. Je veux dire, même si elle n'a rien fait, c'est déjà grave. Tu sais, elle est allée manger au flunch, salope. Ben oui, parce qu'elle est trumpiste convaincue, nonobstant, et adepte des théories conspirationnistes. Donc genre, même si elle va au flunch, n'est-ce pas pour ressusciter le Troisième Reich? Parce que flunch à l'envers, voilà, c'est comme les palindromes. Flunch à l'envers, ça fait Adolf Hitler. Et ça, les gens ne le savent pas. Elle n'a pas fait dans le détail mercredi devant une commission parlementaire consacrée aux affaires financières d'Hunter Biden. Parce qu'il aurait plus ou moins détourné un PEL qu'il avait au Crédit Mutuel. L'élu de Géorgie a brandi une pancarte montrant, selon elle, des photographies du fils de Joe Biden ayant des relations sexuelles avec une femme. Selon elle, hein. Alors, ce sont des relations sexuelles asymptomatiques. Alors oui, il avait le bout du gland, mais vous savez, madame, à l'échelle de l'astronomie, c'est pas beaucoup. Hein. Son objectif, prouver que Hunter Biden avait utilisé sa société pour déduire des impôts, des paiements à des prostituées ou encore démontrer qu'il avait enfreint une loi criminalisant le transport de femmes à travers le pays à des fins de prostitution. Un ange. La mise en scène a provoqué des réactions outrées dans le camp démocrate. Le représentant Jamie Raskin a notamment dénoncé un geste complètement hors de propos, délibérément provocateur, sensationnaliste et voyeuriste, rapporte le Washington Post. Et en fait, voilà, Hunter Biden, cible favorite des républicains. Eh oui. Des photographies obscènes d'Hunter Biden en train de consommer de la drogue ou d'avoir des relations sexuelles avec des prostituées circulent depuis longtemps dans le milieu républicain. Alors, on ne sait pas si c'est Hunter Biden, ce qui ressemble à Hunter Biden, ou si c'est Hunter Biden d'après la nièce d'Hitler, on ne sait pas. Hein, ces photos hein, seraient, selon des révélations du New York Post, issues d'un ordinateur abandonné par le fils Biden chez un réparateur informatique en 2019. Alors ça, c'est un complot. Hein. Enfin, moi, j'avais cru comprendre. Outre ces images choc, l'appareil... Merde, attends, c'est où? Ils m'ont décalé mon truc. L'appareil contient également des informations sur les activités controversées d'Hunter Biden en Ukraine et en Chine. Ce dossier complexe fait du fils du président démocrate une cible privilégiée de la droite américaine. Oui, parce que... Alors d'accord, c'est vrai, mais ils en parlent quand même beaucoup. Ils en parlent beaucoup. Mercredi, devant la commission parlementaire, les élus républicains tentaient de mettre en évidence, avec les témoignages de deux agents du fisc, d'éventuelles pressions exercées par l'administration Biden sur des enquêtes judiciaires visant le fils du président. C'est là où BFM TV est très fort. Et j'aimerais leur tirer mon chapeau. Parce que les mecs valident toutes les théories du complot. Parce que c'est... Normalement, c'est du complotisme. Comment ça, le fils de Joe Biden, des putes et du fisc? Non, mais tu rigoles, quoi. Alors bon, ils te disent oui. Bon, effectivement, là, on en parle au Congrès, donc ça va être chaud de dire que c'est pas vrai. Nonobstant, comme les attaques viennent des républicains, faut peut-être pas déconner, tu vois.
Donc voilà, un Hunter Biden, 53 ans. Alors, ce qui ressemble à Hunter Biden, comme ils le disent plus haut hein, dans le chapeau, hein, hein, ce qui semble être Hunter Biden. Voilà, c'est pour ça, il faut... là, c'est là, honnêtement, dubitationnisme ceinture noire. Hein, là, même moi, honnêtement, je suis battu. Hein. Hunter Biden, 53 ans, a reconnu en juin avoir fraudé le fisc et avoir acquis une arme à feu alors qu'il était toxicomane, deux délits fédéraux. Il doit comparaître le 26 juillet devant un tribunal pour entériner cet accord qui lui évitera un procès gênant en pleine campagne de réélection de son père. D'ailleurs, tu noteras, on va faire attention aux mots parce que moi j'aime bien les mots, en pleine campagne de réélection de son père. Normalement, c'est une campagne pour une réélection. Ouais, non, mais c'est léger, mais quand même. Hein, les deux agents du fisc américain sont considérés par les républicains comme des lanceurs d'alerte, car ils assurent qu'Hunter Biden a bénéficié d'un traitement de faveur de la part de la justice fédérale. L'un d'entre eux, Gary Chapley, assure que le procureur fédéral chargé du dossier David Weiss n'a pas disposé de la part du ministère de la Justice de la liberté nécessaire pour mener à bien son enquête. Gary Chapley assure que David Weiss n'a notamment pas pu prendre lui-même de décision concernant les chefs d'accusation. Le second lanceur d'alerte, Joseph Ziegler, enquêteur chevronné du fisc, est allé dans le même sens, déclarant mardi que ce procureur était constamment entravé, limité, marginalisé par des responsables du ministère de la Justice. Le ministre Merrick Garland avait rétorqué fin juin que David Weiss, nommé par l'ex-président Donald Trump, donc voilà, avait eu toute latitude dans ce dossier. Voilà. Donc BFM, il faut reconnaître qu'il te donne tous les éléments. Non, mais il faut reconnaître. On peut, alors oui, bon, il traite ça un peu par-dessus la jambe. Mais un peu, mais un tout petit peu. Mais t'as vu, ils te donnent les éléments. Parce qu'ils ne peuvent, ils ne peuvent plus le cacher. Ça se verrait trop. Ça se verrait trop. Donc, tu vois, c'est... ils ne peuvent plus le cacher. Mais en te le disant, ce n'est pas vrai quand même. Voilà. C'est... Puis peut-être tu te dis, bon, en plus, le père d'Hunter Biden, comment il pourrait être protégé par le pouvoir en place ? Enfin, c'est pas comme si que son père était président. Tu vois ? Non, c'est... Non, faut arrêter. C'est complotiste. Les... Non, il y en a marre, ça nous met dans une ambiance... C'est bon, quoi. C'est pas parce que il y a des photos de ceux qui ressemblent à Hunter Biden que c'est lui, hein. Ça va, hein. Non, c'est... Voilà. Par contre, pendant ce temps, BFM TV est environ à 8 heures d'antenne sur les deux dernières heures concernant Jean Lassalle. Enquête ouverte pour viol. Eh oui, on est obligé d'en parler. On est obligé d'en parler. Alors, vous connaissez la guinguette, je ne vais pas changer de fusil d'épaule parce que c'est un personnage que j'apprécie, vous le savez. Jean Lassalle accusé hein, de viol, enquête ouverte. Alors comme d'habitude, on va respecter le temps de l'enquête, on va voir ce qui peut être dit dans les médias. Si c'est une enquête ouverte comme pour Éric Zemmour au début de la campagne, avec, en tout cas c'était pas une enquête à ce moment-là d'ailleurs. Bon, on va voir, hein, on va voir ce que ça va donner. Moi, vous connaissez la maison. J'aurais dit la même chose si demain il y avait eu une enquête ouverte concernant Éric Dupond-Moretti, par exemple, sur des faits de viol ou d'agression sexuelle. Aujourd'hui, on sait que politiquement, pour descendre quelqu'un, quand bien même le jugement n'a pas été rendu, hein, que ma phrase soit attendue en entière, quand bien même le jugement n'a pas été rendu, c'est très pratique. À partir du moment où médiatiquement, hop, enquête ouverte, on défonce la personne, alors que derrière, elle peut être blanchie. C'est déjà arrivé. Donc, respectons le temps judiciaire, attendons le jugement, et là, on en reparlera. Mais c'est vrai que... Allez, je suis complotiste. Allez, 10 secondes, je suis complotiste, promis. BFM TV est beaucoup plus loquace concernant Jean Lassalle par rapport à cette accusation de viol. En revanche, quand Jean Lassalle disait que Emmanuel Macron n'avait pas été vacciné et qu'il en détenait les preuves, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il a évoqué ça, là, BFM TV n'a pas fait de reportage. Voilà. Donc juste pour dire, voilà, toujours le choix, hein, le choix de l'actualité. Voilà, voilà les amis. Écoutez, je crois qu'on est pas mal. Je crois qu'on est pas mal pour aujourd'hui. Je vous ai dit un petit épisode tout à fait gentil. Voilà, on finit la semaine en beauté. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, les copains. Voilà, on va aller au bar. On va aller au bar. Je vous avoue, je finis la semaine un peu sur les rotules. On va pas se mentir. Il y a les vacances qui arrivent en plus, là, la première semaine d'août. Un peu sur les rotules, les copains. Donc, je vais pas tarder ce soir, pas tarder. Aller à l'apéro gentiment, me reposer et tout. Et puis, on rattaque plein gaz. On rattaque plein gaz, les amis. Une semaine
à fond la forme la semaine prochaine avant les vacances. Et puis voilà. Et puis voilà, les amis. Je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien. Faites attention à vous. Profitez à fond la forme. Je vous embrasse. Vive la rigolade. Vive la France. Et à demain. Tu vois, je suis fatigué. À lundi, les amis.